Michel. Oui. Bonjour. C'est un rire de Yann de dessin animé. Tout à fait. Mais j'adore. Jean-Yves, Manu, non. Hey. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Bonjour. Bonjour Alex. Bonjour. Je vous ai préparé une petite interview sans pleurs. Donc avec des touches. Et sans reproche. Et sans reproche. En pleurs et sans reproche. La première est pour vous, Michel. Ah bah, allez-y. Il fait moins sang. Oh putain. Non mais laisse. Il fait moins sang. C'est dingue. Apesanteur. Mais les gars, c'était mon premier disque en 67. Et c'était avec un groupe qui s'appelait le King Set. C'était mon premier disque, quoi, l'histoire d'amour entre un terrien et une extraterrestre. C'est vachement bien, mais les paroles, c'était super bizarre quand même. C'est une histoire d'amour. Je viens de comprendre. C'est l'histoire d'amour entre un mec et une extraterrestre. Mais c'est génial. Hein, moi, j'étais ado. C'est ça, notre musique, quoi. Avec l'importance aussi des textes, etc. Et donc, il y avait... Bon, il y avait plein de groupes qui se créaient, quoi, tu vois. Bon, dans le côté yéyé avec les textes était pas très, tu vois, je bois du lait, ou, tu vois... Bah là, les paroles, c'est... Hey, solo. Solo. I, I, wa, I, de, se, de, go. Oh, I, wa, I, de, si, you go. Oui, mais... Oui, mais... Attends, faut peut-être mieux ça que tu as 20 en grec, qui, en latin. Tu as 20 en maths, c'est qui, très bien. Premier prix. Ah, oui, oui, oui. Prix d'honneur. Avec le coinçage. Tu as trois, mon petit chat. J'adorais ça. Costaud, non? Tu vois, alors il y avait ça. C'était et ça, c'était un de mes premiers groupes. Mais on montait un groupe. T'es quoi, toi? Je sais pas. On a besoin d'un pianiste. Oui, d'accord. Et je suis arrivé. Le chanteur dit: on fait l'attaché Kingdom Who en do. Merde. C'est quoi? Il est où le do? Et le bassiste, il me montre avec ses trois doigts. Putain. Alors je repère. Oh putain, les trois notes. C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai attendu. Ça change. Ça. C'est comme ça que j'ai appris la musique. Hein. Ouais. Le truc qui m'a vraiment donné envie de faire de la musique, c'est ça, quoi. C'est Ray Charles, c'est le What I Say que j'ai entendu un jour dans un... C'était dans une maison de jeux, vous savez, où il y avait des flippers à l'époque. Il y avait des flippers de et un jukebox. Et j'ai entendu What I Say, et c'était comme un coup de foudre. Un vrai truc, quoi. Un vrai truc. Le prochain, le vert, c'est pour l'un de vous deux. De toute manière, c'est bon, vous serez éclaboussés tous les deux. Donc, vas-y, Jean-Yves, vas-y. Tu crois? Ouais. Ça, c'était votre groupe. On vient, on visite. C'est toi qui chantais. Tu fais pas des trucs. Non, je laisse. Il y avait Camille Rustam avec vous. C'est ça. Troisième larron, préfacé par Michel. C'était une idée, ouais, sympa à l'époque. Ben, c'est quand on a fini donc, la tournée de Univers Luni, on a décidé de monter un groupe. On jouait beaucoup ensemble déjà auparavant. Oui, mais là, on a décidé de faire un disque ensemble. Là, c'est juste pour rigoler. Hein. Harvey Mason, Herbie Hancock. Ça tourne un tout petit peu, il me semble. Il me semble que ça groove un tout petit peu. Harvey Mason. Et Herbie. Harvey Mason, les gens connaissent peu ce batteur. Il fait un jeu de Charlie, par exemple. Pardon. Ah oui, vous avez un traducteur, vous avez vu, Manu? Vous avez un traducteur qui traduit en direct. Et bilingue. Oui, en duplex. Oui, effectivement, on me dit... C'est cymbale. Et Herbie, il faut en parler à Jean-Yves, parce que c'est maître à tous, quand même, Herbie Hancock. Ah non, mais c'est... Moi, j'ai écouté Jerry Lee Lewis... Petrucciani, quoi. Après. Jerry Lee Lewis. Donc, je venais vraiment du rock, quoi. Ouais, oui, et un jour, j'écoute un truc d'Herbie, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai complètement tout changé, quoi. J'ai dit, il y a une autre musique à apprendre, il y a autre chose à faire. Parce que nous, dans l'endroit où j'étais, on ne connaissait pas ça. C'était le rock. J'écoute de la musique sous, là où les parterres. On sent votre phrase, on entend ton phrase derrière. Je m'étais dit que c'était assez... excitant de sortir Françoise Hardy de son truc un petit peu calme, et donc c'est la chanson J'écoute de la musique soul, à me rouler par terre. Juste là. Ah oui, non, mais c'est moi qui l'ai fait. Je sais. Qu'est-ce que c'était bon, ça. Ouais. Quand c'est arrivé, ça, ouais, sur le les écrans, c'était dingo, hein. On devenait tous dingue, c'était magnifique, quelle idée. C'était la naissance, hein, de Canal+. T'avais vu la version que Chabat avait fait ou pas, Alain Chabat? Ça, je te l'aurais fait, parce qu'il fait ça, il chante le truc. Je vais au bout de la blague, hein. Et t'as Chabat qui fait, il arrive, il fait... C'est Tarzan qui s'est fait. Cheetah. Ah, j'avais jamais vu ça. Ah, c'est bon. C'est bon. J'avais jamais vu ça. Et donc, je peux plus l'écouter sans y penser. On fait, ah oh, non, c'est... Merci de nous avoir en trouvé à la porte du studio. C'était vraiment super. Merci infiniment. Ouais, merci à toi. Merci Alex. C'était très chouette.